Nous sommes ici avec Concetta Macciullo, artiste de notre région. Alors Concetta, en ce moment, vous exposez un peu partout. On vous rencontre ici près de la Place Verte à Charleroi pour une petite exposition qui met en valeur vos œuvres. Mais vous exposez aussi à la bibliothèque de Marchiennes, superbe lieu. Qu'est-ce qu'on peut y voir ? Eh bien, actuellement, donc, il y a 22 œuvres que l'on peut voir. Ce sont des toutes dernières œuvres que j'ai réalisées, donc pendant au moins 3 mois et demi que je travaille dessus. Donc voilà. Et oui, c'est. Il faut votre style, c'est l'abstrait. Hein. Oui, c'est l'abstrait. Mais je n'ai pas commencé par l'abstrait. Vous avez commencé par les petites fleurs, comme parcours traditionnel du peintre ? Non, certainement pas. Non, non. Mais j'ai fait pas mal de copies quand même de Gauguin, de Van Gogh et de Rembrandt. C'est vrai, il faut quand même reconnaître que la bibliothèque de Marchiennes, c'est un chouette endroit. Hein. C'est super, j'adore ce lieu. Pour moi, c'est vraiment un lieu, il y a beaucoup de mystères là-dedans, il y a une âme, c'est quelque chose de fabuleux pour moi, j'adore ce lieu. Est-ce que c'est inspirant pour les artistes, ce lieu ? Oui. Personnellement, oui. Alors, une chose importante, vous exposez à Cannes. Oui. Alors, c'est quoi exactement ? C'est une exposition internationale qui dure plusieurs jours, qui dure un week-end ? Non, ce sont 4 jours d'exposition. Donc, c'est le 22, 23, 24 et 25. Alors, voilà. Cannes, c'est quand même une ville mythique liée au cinéma. Est-ce que vos œuvres seront un peu liées au cinéma ou pas ? Mais c'est fort probable que ce sera lié au cinéma. Mais bon, il y a pas mal d'artistes également dans beaucoup de domaines aussi. Hein. Il n'y a pas que le cinéma. Et puis, bon, c'est un lieu quand même un peu magique. Ça vous fait plaisir, une Carolo à Cannes pour exposer ses œuvres. Ah oui, pour moi, c'est quelque chose de... Oui, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. On m'a justement invité à exposer à Cannes. Et bon, ça a été pour moi un plaisir. C'est du bonheur, quoi, voilà, de pouvoir exposer dans un lieu fabuleux pour moi. Alors justement, ce lieu, c'est quoi exactement ? C'est le salon du vieux port à la gare maritime. C'est un salon important, vous l'avez déjà vu ou pas ? Oui, c'est un salon très important. J'ai vu des photos. J'ai vu le lieu, donc c'est très, très bien agencé. C'est superbe. Il y aura des photos. Je mettrai pas mal de photos de cet endroit. Oui. Merci.